Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2, édition HD. Aujourd'hui nous attaquons à la première des 4 campagnes, donc la campagne des rois, disponible dans le jeu de base. Et après avoir fait bien le didacticiel et indirectement la campagne de William Wallace, nous attaquons à la première campagne, Jeanne d'Arc. Cette guerre a duré 100 ans et les Français ont presque perdu toutes les batailles. Les Anglais et leurs alliés en Bourgogne vont conquérir toute la France. Y aurait-il le trône français trop large pour pouvoir y accéder? L'armée française est fatiguée, meurtrie et abandonne tout espoir. Malheur à plus sombre, une jeune paysanne déclare qu'elle a l'intention de sauver la France. Mission 1. C'est pas grave si vous voyez tous les noms des missions. Alors, difficile. Un messie improbable. « 19 février, camp de l'armée près de Vaucouleurs. Ce matin, je me suis éveillé avec des visions de feu et d'acier. Ces cauchemars me reviennent plus souvent depuis que j'ai vu ma France bien-aimée, ravagée par des années de guerre. Je parcourais le campement sans me préoccuper de la dernière chute de neige, en observant les blessures et l'épuisement de chacun des soldats sous mes ordres, lisant le désespoir dans leurs yeux. C'est alors que je vis la jeune fille. Elle nous dit qu'elle s'appelait Jeanne d'Arc. Elle nous a expliqué qu'elle n'était qu'une paysanne qui ne savait ni monter à cheval ni se battre. Elle nous a dit qu'elle voulait sauver la France. Le voile sombre dans le cœur des hommes s'est levé. Sa voix retentissait avec conviction et nous buvions chacune de ses paroles. Si moi j'ai perdu la foi, Jeanne, elle ne l'a pas perdue et cela me suffit. Jeanne a demandé à notre bande de soldats réduits en loques de la conduire jusqu'à Chinon, où le souverain légitime de la France, le Dauphin, se tient caché de ses ennemis. Déchiré par la guerre, le chemin qui y mène est infesté de maraudeurs ennemis, et nous allons y perdre beaucoup d'hommes. La mort était déjà une vieille compagnie, mais pour Jeanne, nous allons l'affronter à nouveau. Escortez Jeanne depuis le camp de Vaucouleurs jusqu'au château de Chinon. Jeanne doit survivre. Les ennemis de la France sont la Bretagne et la Bourgogne. Faites bien attention à leur force. N'attendez pas trop d'aide de la part de l'armée française démoralisée, mais préparez-vous à ce que tout ça soit prêt à vous rejoindre votre armée à la vue de Jeanne d'Arc. Protégez vos chevaliers, ce sont vos meilleurs combattants, ils connaissent ce terrain. Nous en avons deux. Ne vous souhaitez pas d'économie, amenez Jeanne à destination, il n'y aura aucune gestion de base. Et surveiller la santé de Jeanne, c'est trop faible, il faut écarter du combat. Il faut savoir que, étant donné que j'ai l'édition HD, les héros se soignent automatiquement. Bonjour Jeanne. Mon collègue et moi, nous allons vous escorter jusqu'au château où nous périrons avant. Je suis Jean de Metz et je vais vous protéger au prix de ma vie. Alors. Allons-y. Vous êtes Jeanne d'Arc. J'ai entendu vos revendications et je crois ce que vous dites. Nous vous suivrons jusqu'à Chinon. Attendez, vous pourriez avoir besoin de quelques archers sur la route. Tenez-vous sur vos gardes sur cette route. Nos ennemis, les Britanniques, sont sortis en force et leurs alliés, les Bourguignons, sont là en grand nombre. La discrétion est la meilleure forme de courage. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Donc j'ai deux chevaliers protégés. J'ai aperçu un repère de Bourguignon au nord. Mieux vaut prendre un autre chemin. Envoyez vos chevaliers et allez les tuer. Allez, 19 PV, voilà. C'est pour ça que Jeanne étant aussi un héros, elle se soignera automatiquement. Ça donne un sacré coup de pouce quand même, avoir des héros qui sonnent automatiquement. Regardez, une bataille fait rage. Restons à l'écart des craintes d'être pris entre deux feux. Ils sont explosés eux-mêmes. Encore une perte glorieuse pour la France.
J'espère que vous pourrez vraiment inverser l'issue de cette guerre, Jeanne d'Arc. Il faut savoir, pour un petit note, en réalité, le roi d'Angleterre a légitimement réclamé son trône à l'époque. Et étant donné qu'en roi de France est mort, l'héritier, enfin, si on suit normalement la ligne des héritiers, ça aurait dû être le roi d'Angleterre. Seulement, les nobles français ne voulant pas trop, entre guillemets, d'un roi anglais sur le sol français, ont décidé de mettre quelqu'un d'autre, donc le dauphin, enfin, celui qu'on appelle le dauphin, sur le trône de France, et bien évidemment, ça a déclaré cette guerre de 100 ans. Ce qui aurait légitimement... Il n'y a plus de pont. Les Britanniques ont dû le détruire. Nous devons trouver un autre chemin pour Chinon. Légitimement, le roi d'Angleterre dans son juste droit à cette époque, mais bon. Les Français ne voulaient pas, mais... Des bandits de grand chemin s'attaquant à des voyageurs sans défense. Qu'est devenue notre patrie? Vraiment abuser de vos héros. Vu qu'ils ont une auto-régénération des PV, vous économisez en fait la vie de vos vrais soldats. Et vos héros peuvent continuer à combattre tranquillement. Voilà. Bon, par contre, méfiez-vous quand même des piquets. Les cavaliers sont quand même fragiles en phase des piquets. Voilà. Il doit rester encore un campement de voleurs de grand chemin. Mais de mémoire, il doit être ici. Non, il est pas ici, il est après, il doit être là. Alors, vous allez me poser sûrement la question de pourquoi je suis pas allé à gauche, je vais vous montrer pourquoi. Nous avons besoin d'un mangono ou d'un bélier pour franchir ces murs. Voilà. Voilà la raison. Et allez, il faut savoir qu'au tout début, quand Age of Empires 2 était sorti, vos chevaliers n'avaient pas envie qu'ils s'auto-régénéraient. Donc, généralement, on évitait de les trop les envoyer, on les gardait pour un moment compliqué. Maintenant qu'ils ont une vie qui s'autogénère, enfin, qui se régénère tout seul, c'est plus simple. En réalité, cette vie qui s'autogénère est provenue avec le standalone The Conqueror, mais qui est intégré dans le jeu de base maintenant. Je me posais juste une question. Ah, il y a cette technologie-là. Cette technologie-là vient de The Conqueror à la base. Qui est un grand icon. Enfin, je vous expliquerai plus tard ce que je veux dire par là. Et je vous présente moi les fermes que j'aime bien voir. Donc, je. Voilà. Le skin des fermes que j'aime. Rassemblez vos hommes. Nous suivons Jeanne d'Arc. Nous emportons le bélier avec nous. Il peut nous servir. Alors. Là, je vais vous présenter quelque chose. Le bélier. Alors. J'ai déjà expliqué sur les troupes, le valeur de protection d'armure et valeur de protection des protections à distance. Le bélier a donc une très grande valeur de résistance à distance, mais vous pouvez, depuis The Conqueror, je fais toujours une comparaison avec le jeu avant qu'il soit ressorti en version remasterisée, pour ceux qui y vont encore. Avant The Conqueror, donc c'est pour ceux qui ont uniquement édition de base, vous pouvez pas mettre en garnison dans le bélier vos troupes. Et en temps de mettre en garnison dans le bélier, c'est que ça permet d'accélérer la vitesse de dépassement du bélier. Voilà, ça c'est une petite technique. Voilà, comme ça mes chevaliers vont tailler en pièces la garnison qu'il y a dedans. Par contre, évitez qu'ils s'enferment à l'intérieur. Vous les Français, vous ne savez pas vous arrêter.
Et la Bourgogne, c'est encore une histoire plus compliquée en fait. La Bourgogne a déclaré guerre à la France étant donné que la Bourgogne était alliée au roi d'Angleterre. Là j'ai utilisé un petit... Y'a un mec qui utilise une sacrée technique quand même. Et mince. Je crois qu'en face, en standard, il n'y a pas de tour de défense. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, le mur tombe avant la porte, c'est normal. Le mur sont moins résistants que les portes. Mais il est toujours préférable de faire sauter une porte qu'un mur. Le bélier standard ne peut dégommer qu'un mur à la fois, aucune porte. Le bélier renforcé peut dégommer à la fois plusieurs pans de mur ou plusieurs portes, en gros, à des dégâts de zone. Et le bélier, le dernier bélier, comment il s'appelle, bélier de siège, je crois. Un campement bourguignon. Nous ne franchirons jamais ce mur sans un équipement de siège. Vous voyez, il n'y a qu'une seule... Ah, il y a une deuxième tour. Alors, Jobin, alors je vais vous montrer un truc que je vous ai pas montré. Et bien évidemment, les unités ont un bonus, voilà, un multiplicateur en fonction du type de bâtiment qu'attaque. Si l'attaque une unité d'infanterie, il y aura 3 de dégâts. S'il attaque un bâtiment, il y aura un multiplicateur, je sais plus combien, le bélier. Non, je sais pas aller vers ce pont-là. Parce que derrière, il y a une forteresse bourguignonne. Je n'ai jamais réussi à dégommer, pour information. Vous êtes fou. De l'autre côté de ce pont se trouve un château bourguignon grouillant d'hommes. Faites tout de suite demi-tour. 4 murs d'un coup. En gros, en fait, une fois que vous avez bien renforcé, il est plus rentable d'attaquer les murs que d'attaquer les... que d'attaquer la... les bâtiments. Enfin, que d'attaquer les portes, portes sont plus résistants que les murs. Par contre, au début, il est toujours plus rentable d'attaquer les portes dans, si vous êtes limité à l'âge des châteaux, notamment. Je peux me permettre d'avancer, simplement j'ai envie de dégommer un peu. Vous pouvez vous permettre d'attaquer que les portes au début, parce que les portes sont certes plus de PV que les murs de pierre, mais une fois dégommé, c'est 4 cases que ça vous libère. En 4 cases, ça vous permet d'avoir beaucoup de troupes qui rentrent. 4 cases, je peux dégommer maintenant avec un bélier les murs. Ou 3 cases. Donc une fois qu'ils sont améliorés, bélier, donc les morts récents des béliers arrivent à l'âge impérial, donc à la dernière époque. Et ils m'en ont donné un avant, donc j'en profite. Par exemple, vous pourriez faire venir par là, vous envoyez le bélier, bien descendre, envoyez le bélier ici, comme ça vous attaquez même pas vous tapez même pas les tours. Ou même, je crois bien qu'en attaquant ici, vous avez dommage à la tour juste derrière. A vérifier, mais je crois que oui. Quoi qu'il en soit, votre bélier, vous pouvez abandonner maintenant, si vous voulez. Vous n'en aurez plus besoin pour la fin de la mission, mais par principe, il n'abandonne pas du matériel. Hein. Sieur Bertrand.
Attendez. Faites en sorte que vos troupes aillent ici. Envoyez les deux là-bas. Une embuscade. Il y a des soldats bourguignons partout. Partons vite vers l'ouest, jusqu'au fleuve, d'où nous pourrons nous enfuir. Voilà, il y a plein de troupes bourguignonnes qui arrivent. Le mec là, le bélier est le dernier, et mon canon est souci, donc... Je sais plus jusqu'où on peut aller. Je sais qu'il y a une galère sur le fleuve, mais je sais jamais où. Alors, dans le doute, je vais débarquer ici. Voilà comment on fait. En fait, vous faites en sorte que l'un de vos cavaliers attire le navire. Voilà. Parfait. Non, ça c'est prendre la route. Voilà, parfait. Ça me permettra de débarquer en fait sur cette île là. Ou sinon, il y a une technique, c'est simple, vous prenez un bateau. Alors, c'est une autre technique que je ne conseille pas, elle marche aussi. En fait, vous utilisez deux bateaux pour le transport et le troisième, en fait, vous attirez en fait à Perpète les Bains. J'ai envie de dire. Le bateau ennemi, en fait, pour un bateau vide, vous passez ici et vous l'envoyez là. Et normalement, le bateau devra le suivre. C'est pas important de perdre le navire en soi. Donc, ici, on va remettre des unités dans le bélier. On en y retourne. Voilà. Donc on a récupéré les troupes là-haut, on a récupéré les troupes ici. Vous voulez mener l'armée française? Je n'ai jamais vu une telle confiance depuis le début de cette guerre. Très bien. Vous avez 6 soldats de plus. Jeanne la Pucelle. Voilà. Alors le bélier, j'ai déjà pas de matériel, mais j'ai besoin de toutes mes troupes là. Ils arrivent, tirez. Ah, j'ai faim. En fait, normalement, vous en avez qu'avec vos chevaliers, vous pouvez passer ce passage là. Donc, les armes de siège vont me ralentir, donc j'y rase. Et maintenant, on peut aller tout droit. Clic droit. Allez hop, on y va. Donc, les seuls trucs que j'ai laissés, c'est une armée ici. De Bourguignons. Et je vais être franc avec vous, je ne sais pas si on peut la dégommer.
Je pense que si, mais à mon avis, c'est compliqué. Nous avons réussi. Après, vous pouvez tuer vos chevaliers, ils ont un message quand ils meurent, mais je vais pas vous montrer, parce que sinon... On va encore perdre plein de temps. On va laisser mes troupes là. On va envoyer juste mes héros là-haut. Et c'est ainsi que nous terminons cette première mission. Le château du dauphin. Le dauphin va vous recevoir maintenant. Voilà. Donc, on va regarder juste un minimap afin si. Voilà. On va, je vous présente les troupes qu'il y avait quand même. Il y avait 5 cavaliers sur le terrain. Il y avait surtout plein de piquets, donc piquets, c'est chiant. Là-haut, pourquoi faites pas là-haut? Si jamais vous montez là-haut, bah, vous prenez ça dans les dents, vous sentez. Les deux catapultes, encore c'est gérable. Les cavaliers, c'est gérable. Les tours, ça peut être... Vous pouvez les gommer, mais vous risquez de perdre la majorité de vos troupes et c'est pas rentable. Et puis voilà. Allez, je vous laisse avec la cinématique de fin. Alors que le bruit des pas de Jeanne résonnait sur le marbre de la salle du château, les gros ducs, tout en chuchotant, la regardaient fixement. Le dauphin lui-même semblait effrayé quand elle lui a baisé les pieds. « Mon noble dauphin », a-t-elle demandé. « Pourquoi l'Angleterre revendique-t-elle ce qui est vôtre? Pourquoi n'êtes-vous pas couronné roi de France, selon votre droit ?» Les courtisans se mirent à murmurer. Le chambellan a parlé à l'oreille du dauphin. Mais le dauphin l'a repoussé et a levé les yeux vers Jeanne. Elle arrive à peine à la hauteur des épaules du plus petit des hommes. Mais nous devons tous lever la tête pour lui parler. J'ignore la teneur de la conversation silencieuse entre le dauphin et son prétendu sauveur. Mais il était évident que Sa Majesté était tout aussi subjuguée que nous. Et voilà, donc, hop, enfin, si vous voulez regarder, allez-y, faites-vous plaisir. J'étais perdu, j'ai les erreurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette mission en ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, d'ici à portez-vous bien, et à tout le monde.